Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ok, il faut vous imaginer un beeper, un téléphone cellulaire et une messagerie électronique dans un seul appareil. Il y a un signal gratuit d'Internet sans fil disponible à travers l'Amérique du Nord et personne n'a trouvé une façon de s'en servir. Vous voyez, c'est comme la Force. Pardon, vous avez vu la Guerre des Étoiles? Non. Il est louche. Je dirais pas qu'il est louche. Ce gars-là, c'est un requin. Je sais comment vendre votre téléphone, et je sais à qui on peut le vendre. Mais je veux 50% de la compagnie, et je suis nommé PDG. Je sais pas pour qui vous vous prenez, mais... D'accord. Hein? Mais t'es pas sérieux. On est dans une course pour le sortir en premier, et on a une année de retard. Il me faut un prototype. Je vais le faire parfaitement, ou pas du tout. Mike, connais-tu l'expression « parfait » est l'ennemi de bon? Eh bien, assez bon, c'est l'ennemi de l'humanité. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle un BlackBerry. Oh. Essayez d'écrire avec les pouces. J'en veux un dans les mains de tous les cadres des grandes compagnies que vous pouvez trouver. On les appelle CrackBerry. Est-ce que Doug vient avec nous ou... Non. Si tu veux réussir, faut faire des sacrifices. Et plus le sacrifice est douloureux, plus tu vas aller loin. Si on met plus de téléphones sur ces réseaux-là, ils vont tous cracher. Est-ce que c'est légal? Faut vendre 1 million de BlackBerry. On est au milieu d'une prise de contrôle hostile! Savez-vous quelle est la peine pour une fraude boursière de plusieurs millions de dollars? Qu'est-ce que tu fais? Je vais tout faire. Vous savez pas du tout comment gérer une compagnie. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est moi qui ai créé tout le marché. T'as dit que c'était les meilleurs ingénieurs au monde. J'ai dit que c'était les meilleurs au Canada. Combien ils te payent, toi? Je devrais pas le dire. Et moi, ils me payent 10 millions de dollars. Ouais, moi aussi.